Comme vous aimez bien ce que nous sommes en train de faire ici, alors nous vous demandons de faire un petit exercice. Avant de bien suivre nos émissions, likez nos émissions, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de partager aux autres. Sur Afrika Mumba Télévision, vous aurez droit aux émissions à caractère sociétal. L'information politique au rendez-vous, politique nationale et internationale, actualité nationale et internationale. La culture et les arts, la culture d'ici et d'ailleurs, les arts d'ici et d'ailleurs, chez Afrika Mumba Télévision. Toutes les disciplines sportives, exclusivement chez nous et spécialement pour vous. La religion sous toutes ses formes, vous aurez droit aux émissions à caractère religieux chez nous. Suivez et restez scotchés. J'ai la liberté de dire quatre choses en introduction à Rachel Axa et à Kevin. La première, Kevin et Rachel Axa, l'institution dans laquelle vous êtes en train d'entrer, vous n'êtes pas les premiers à le faire. Plusieurs vous ont précédé. Mon épouse et moi, 28 ans, j'ai entendu l'homme de Dieu qui a parlé des 34 ans tout à l'heure, d'autres en ont plus, certains moins. Tous n'avons pas eu d'aussi belle cérémonie. Quand je vous ai vu rentrer marié, je me suis dit, moi, je me suis marié au brouillon ou quoi? Quelle belle cérémonie! Mais si tous les mariages n'ont pas eu le même éclat, la même solennité, plusieurs ont commencé avec beaucoup d'entrain, beaucoup de volonté, beaucoup de joie comme vous. Mais puis après, les fortunes ont été diverses. Certains, ça a tenu un temps et ça a volé en éclat. Et en tant que pasteur, l'un des plus grands malheurs, c'est de voir des gens qui s'unissent et quelques temps après qui rivalisent d'abord eux-mêmes et puis au travers de leurs avocats devant les tribunaux pour obtenir les divorces. Je prie que ça ne soit jamais votre cas. D'autres encore, et je prie que vous ne fassiez pas partie de cette catégorie, ça ne vole pas en éclats, ils sont toujours ensemble, mais ils ne sont que co-voisins. J'ai entendu ça souvent à Kinshasa quand je grandissais, mes tantes qui disaient en lingala, nazofa nakakapona bana. C'est-à-dire, je reste ici, c'est plus pour ces messieurs. Mais le plus étonnant, Kevin et Axa, c'est que quand ils disaient qu'elles restent pour les bana, mais elles font d'autres bana, je ne sais pas comment. Et je prie que ça ne soit pas votre cas. Je prie que non seulement que vous restiez ensemble, mais vous restiez ensemble dans la joie, vous restiez ensemble dans la complicité. Les troisièmes cas de figure sont des gens qui restent ensemble, qui sont heureux et qui tiennent ferme. Mais je prie que vous fassiez partie de cette catégorie. Deuxième chose que je voudrais dire à Axa, Rachel, ainsi qu'à Kevin, c'est que pour que cette institution dans laquelle vous rentrez puisse tenir, il y aura deux groupes d'acteurs principaux. Premièrement, le Dieu que vous servez, à qui vous appartenez. Confiez-vous individuellement, mais aussi comme couple, en ce grand Dieu. Il a dit, si l'Éternel, par la bouche de David, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, en vain la sentinelle veille. Et Jésus-Christ, parlant à ses disciples, dira dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien. Je vous supplie, comptez avec et sur lui. » Mais deuxième groupe d'acteurs, c'est vous deux. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, disait toujours, Dieu fera pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. Mais Dieu fera jamais certaines choses à notre place. Pour que votre couple tienne, il y a la part de Dieu, la grâce qu'il peut vous accorder. Mais Kevin, Dieu ne viendra jamais être romantique à ta place pour ta femme. Ce sont des choses que tu dois apprendre à faire. Quelqu'un disait, la spiritualité n'exclut pas les romantismes. J'espère que la médecine ne t'a pas volé de bonne manière. Que Dieu soit béni. Et Rachel aussi aura des choses à faire et à ne pas faire. J'ai aimé déjà au mariage civil, tu rappelais malgré les grands artistes que tu es et la grande servante de Dieu, que tu voudrais toujours continuer à rester à ta place. Reste à ta place, enfin que ce couple tienne.
Troisième et avant-dernière chose que je voudrais dire à Kevin et à Aksa, c'est que vous êtes des grands modèles pour des jeunes gens. Et plaise à Dieu que vous les restiez. Ma prière est que votre couple donne envie aux autres jeunes. Qu'ils puissent dire, nous voudrions avoir un mariage comme ils ont eu, mais avoir aussi une qualité de vie. Et enfin, quatrième, avant de partager la parole de Dieu, je suis à la fois ému, mais aussi content de voir ce que Dieu peut faire. Je pensais à quelque chose qui s'est passé il y a 18 mois. Je sortais d'un moment de prière un jour et je fais un songe étrange. Ça fait deux fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais voulant porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillée, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis quand elle a porté, elle s'est mise à marcher, le boîtier. Et les gens commençaient à rigoler, puis sa patte tenue, elle a jeté la paire de chaussures. J'ai vu ça une nuit, et j'ai par mon assistant demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de me voir. Et j'ai toujours été touché parce que ce jour-là, elle voyageait les soirs. Elle prenait l'avion, je pense, entre 21h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Rachel Aksa, tu peux te souvenir? Ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire. Mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, ne porte pas cette paire de chaussures. Je lui ai dit, Dieu a une belle paire de chaussures qu'il a préparée pour toi. Et si tu la portes, tu verras ce que Dieu peut faire. Et 18 mois après, je me rends compte que Dieu t'a donné une belle paire de chaussures appelée Kevin Kaseya. Kevin, pour moi, tu étais d'abord une voix. Rachel m'a parlé de toi, on en parlait au téléphone. J'étais très, très marqué par non seulement l'intelligence, mais la capacité d'analyse. Et puis quand on s'est vu encore, I'm speechless. God bless you. Qu'est-ce que la relation Naomi et Rachel nous enseigne sur le mariage? La première chose que cette relation nous enseigne, c'est que le mariage est un engagement. Un engagement. Il y a les émotions que vous avez ressenties, que vous ressentez encore quand vous êtes vus, mais le mariage va au-delà de simples sentiments. Les sentiments peuvent naître, mais les sentiments doivent conduire à un engagement. Et c'est cet engagement qui vous a amené ici. Lorsque nous parlons d'engagement, ces mots cachent deux idées. La première, c'est lié à quelqu'un ou à quelque chose par une promesse en donnant sa parole comme caution. Deuxièmement, quand nous parlons d'engagement, c'est lié volontairement, par choix, et avec la parole, en s'obligeant de faire des choses. J'insiste, en s'obligeant. Et Ruth chapitre 1er que nous avons lu, verset 13 au verset 16, nous montre Ruth la Moabite qui s'engage vis-à-vis de Naomi. Elle le fait en parole. Elle lui dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et elle va plus loin dans son engagement. Elle se met même à la merci de subir quelques malédictions s'il n'accomplit pas cet engagement. Et elle dit que Dieu mettrait dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. J'aurais été là, j'arrêterais Ruth. Hé Ruth, tu es trop émotive. Tu t'engages pour un futur que tu ne maîtrises pas. Ruth, tu sais de quoi demain sera fait? Et tu t'es mis à dire si autre chose que la mort. Ruth! Mais Ruth connaissait l'essence de l'engagement. J'aimerais croire en ces jours que j'ai pas deux émotifs primaires. J'ai pas des gens seulement qui ont des sentiments, mais j'ai des gens qui s'engagent. Je prie que dans 10 ans, vous soyez encore ensemble. Dans 20 ans, vous soyez encore ensemble. Dans 30, 50 ans, c'est Christ tarde à venir, que vous soyez encore ensemble. Dans le domaine des engagements, nous avons 3 types de personnes. Premièrement, il y a des gens qui n'aiment pas s'engager.
parce qu'ils connaissent les côtés contraignants, les côtés obligations que cela entraîne. Mais puis deuxièmement, il y a des gens qui prennent des engagements mais à la légère. Et ça, la Bible ne nous encourage pas. La Bible parle de la malédiction qui s'attache à celui qui prend un engagement sacré à la légère. Certains prennent un engagement, mais et même au moment où ils sont en train de prendre l'engagement, ils savent qu'ils ne vont pas tenir. Ils se marient, s'il y a une femme, mais deux concubines sont dans la masse. Et il est en train de promettre la fidélité. Je n'aurai que toi. Et le lendemain, quand la concubine la voit, il dit, « Naki na kanda nego sa vous s'engagez-vous ?» Je veux croire, et je crois, c'est ainsi. Il n'y a pas quelqu'un quelque part, surtout pas à Johannesburg. Je veux croire qu'il y a Rachel Axa et Axa seule. Et l'engagement qui est en train d'être pris, c'est pour elle seule. Et troisièmement, il y a des gens qui prennent l'engagement et ils y tiennent. J'ai 28 ans de mariage seulement. J'en avais 14. Et j'ai suivi mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, avec sa voix rauque et sa tenue pleine de solennité. Il disait, ça fait 37 ans, je suis marié à la seule femme et je n'ai jamais triché. J'ai regardé, je disais, c'est possible. Et là où j'étais assis, j'avais 14 ans de vie des couples. J'ai dit, Seigneur, dans 23 ans, je me redire ce que cet homme a dit. Ça fait 28 ans, je peux dire aussi, ça fait 28 ans, je n'ai que elle et elle seule. Deuxième des choses que je voudrais dire par rapport à l'engagement, c'est que notre façon de prendre des engagements et de les honorer révèle quel genre de personnes nous sommes. Quel genre de personne Kevin est? Quel genre de personne Rachel Axa est? Proverbe 20 au verset 6 dit, beaucoup de gens proclament leur fidélité, mais un homme fidèle qui les trouvera. Et quand la Bible parle de l'homme fidèle, la Bible veut parler de l'homme qui s'engage et qui tient cela. La bonté, tout le monde peut en parler, mais des hommes qui tiennent l'engagement. Et celui qui tient l'engagement et qui veut tenir n'a pas besoin du regard de l'autre, du contrôle de l'autre. Avec ou sans elle, je tiens l'engagement auquel je me suis attaché. Troisième et avant-dernière chose par rapport à l'engagement, c'est qu'un homme fidèle dans l'engagement n'a jamais d'excuses et toutes sortes des raisons pour s'éclipser. Je m'étais engagé, mais elle a grossi. Je m'étais engagé, mais j'ai rêvé d'un homme qui chaque fois va se réveiller en me donnant des bisous, mais quand il se réveille, ses premiers mots, c'est bistouri. Demandez à mon épouse combien d'exercices elle a eu. On nous parlait un jour, elle m'a dit, s'il y a jeu olympique d'oubli, toi tu auras la médaille d'or. Oublie des dates d'anniversaire. Oublie des dates d'anniversaire du mariage. Mais elle est toujours attachée à moi. Je me suis amélioré avec le temps, mais j'ai des rechutes de temps en temps. Mais un homme, une femme qui s'engage n'a pas d'excuse pour ne pas honorer. Je prie que quoi qu'il arrive, que vous restiez ensemble. Et puis dernière chose, en rapport avec l'engagement, c'est que le Dieu de la Bible ne laisse pas impunis ceux qui n'honorent pas leur engagement. La Bible déclare, mieux vaut ne point faire un vœu que d'en faire un et de ne point le tenir. Tout à l'heure, je descendrai là-bas et je vous ferai faire des engagements l'un vis-à-vis de l'autre. Je préfère quelqu'un qui ne s'engage pas que quelqu'un qui s'engage à la légère ou quelqu'un qui s'engage et qui ne tient pas son engagement. Dans Nombre chapitre 30, au verset 3, la Bible dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Deuxième chose que la relation Naomi et Ruth nous enseigne sur le mariage, c'est que le mariage est une union à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Et je fais ressortir simplement trois. Premier niveau, c'est un niveau à la fois physique, mais un niveau aussi de l'âme. Quand Ruth s'engage vis-à-vis de Naomi et dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai, nous ne serons plus éloignés. Je prie d'abord que physiquement, vous soyez en même endroit. Je vais croire que vous avez déjà résolu ce problème.
parce que l'un a ses activités principalement centrées à Johannesburg, l'autre est plus attaché au ministère ici et là aussi beaucoup plus. J'espère que finalement vous avez décidé où vous allez rester. Si j'apprends un jour que vous êtes séparés pour longtemps, je vais venir non pas pour vous maudire, je voudrais vous le dire à Lingala, nakobeta binu. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Soyez à un seul endroit. Soyez toujours soudés et unis. Deuxième niveau que c'est la relation Naomi Ruth nous enseigne, c'est que c'est aussi une union spirituelle. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Elle avait d'autres dieux avant parce qu'elle venait de toutes sortes d'idolâtries. Mais quand elle s'est attachée à la personne de Naomi, au-delà de Naomi, elle s'est attachée aussi au Dieu de Naomi. Je prie et je veux croire que vous avez un seul Dieu. Et que le Dieu de l'un, c'est aussi le Dieu de l'autre. Combien de fois on se marie avec quelqu'un, on pense qu'on a un seul Dieu. Et puis quelques jours après le mariage, il te fait tirer un livre et dire, à part les prières du combat, j'ai fait aussi de la science philosophique élevée pour surélever l'âme. Kevin, j'espère que tu n'as pas d'autres choses à côté. Hein? Rachel, j'aime bien, mais votre spiritualité, elle est basse. Il y a une spiritualité des intellectuels. Et puis cette spiritualité des intellectuels, ils disent toujours que ce n'est pas incompatible avec la chrétienté. Mais ils vous éloignent toujours. J'ai prié que vous ayez un seul et même Dieu. Vous l'ayez non seulement pour un temps, mais pour toujours. Et troisième et dernier niveau de cette union, c'est aussi une union d'intérêt. Il dit, ton peuple sera mon peuple. Alors jusqu'à aujourd'hui, vous avez des peuples différents. Le peuple de Kevin, c'est la médecine. Tout ce qui a trait à la médecine. Rachel Aksa, que le peuple de Kevin soit aussi ton peuple. Tu trouveras beaucoup de livres de pédiatrie. Il y aura très peu de livres de solfège. Livres de pédiatrie. La chirurgie analytique. Ne trouve pas. Il y en a pas de livres, non, on a minéne. Hein. Je suis allé un jour gérer un couple, le marié est docteur en lettres. Et il était en train de lire un livre d'Honoré de Balzac, le Père Goriot. Et sa femme me dit, pasteur, ma livre non amené, ne puis ça n'a kanda. Pourquoi? Parce que la femme, tout ce qui l'intéressait, c'était Phénomène et Sobé à la télé. Et quand la femme regardait Phénomène et Sobé, son mari lui disait, pasteur, vois, des bassesses. Et il lui montre le Père Goriot, il dit, ça c'est la science. Mais à Kevin aussi, je me redire, Rachel Arx a un peuple. Son peuple, c'est les musiciens. Du reste, les responsables sont venus ici. Apprends aussi à connaître son peuple, à aimer son peuple. Tu le verras souvent à la maison. Et plaise à Dieu que le peuple de Kevin soit le peuple de Rachel Aksa et que le peuple de Rachel Aksa aussi soit le peuple de Kevin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais le peuple, une dernière des choses avant que je ne conclue, le peuple veut dire aussi les gens qui comptent pour moi. Kevin, jusqu'à présent, il y a des gens qui comptaient pour toi, mais que Rachel Aksa ne connaît pas. Ah, j'ai vu les Olang, comment ils sont complices, comment ils sont soudés, ils l'ont toujours été, mais avec le départ de ces deux grands piliers, ils sont encore devenus plus soudés. Ne la sépare pas de son peuple. Ne la sépare pas de ses peuples. Certains étaient des frères, des sœurs, mais ils sont devenus presque des pères. Que son peuple soit aussi ton peuple. Rachel, fais aussi du peuple qui est à côté de Kevin ton peuple. J'ai cru voir des gens en parlant avec vous, ils aiment beaucoup le football. Peut-être le foot, ce n'est pas ton affaire, mais tu en entendras beaucoup parler. Mon épouse, c'est de qui je parle, elle a une amie, quand elle s'est mariée, un homme qui aime beaucoup, beaucoup le foot. Et surtout les championnats italiens, les calcio. Et la femme m'a dit les 5 premières années, pasteur, ça va faire un match, il y a un combat à jouer, 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 les Italiens.
Et de telle sorte qu'à un moment, ils avaient deux télés, une télé au salon, une télé en chambre, parce qu'ils n'avaient pas le même centre d'intérêt. Et elle a dit, finalement, la paix est revenue quand j'ai commencé à m'intéresser au football et au championnat italien. Il dit, pasteur, tu sais quoi? Mon mari pouvait être au travail, c'est moi qui suis. Je l'appelle chérie. Juventus a gagné. Chiellini Mutacebi. Et son mari lui demande des Akinini, non, centre, coup de tête. Et son mari crie, wow! Que ton peuple. Troisième et dernière chose, j'en avais parlé quatre, mais je parlerai des trois. C'est que dans un vrai mariage, appelé à être solide, il n'y a pas de place pour l'intérêt personnel. Il n'y a pas de place pour l'intérêt personnel. Rivaliser en cherchant le bonheur de l'autre. Et je fais épingler ces deux versets, je clôture. Dans Ruth chapitre 2, verset 2, cette jeune femme moabite qui a accompagné Naomi à Bethléem, elle laisse cette femme, elle dit, j'aimerais aller glaner. Glaner, c'était un travail de citoyen de seconde zone. J'aimerais aller chercher les reliquats que les gens font tomber. Mais derrière ces services, Ruth ne va pas chercher la nourriture pour elle, elle va chercher la nourriture pour Naomi. Naomi est avancée en âge. Je vais aller chercher pour elle. Plaise à Dieu que vous vous fassiez plaisir l'un et l'autre. Donne-moi une Ruth qui veut dire, je suis prêt à tout me dépenser pour le bonheur de Naomi. Mais quand on arrive dans Ruth au chapitre 3, au verset 1er, Naomi vient dire à Ruth, je voudrais assurer ton avenir pour que tu sois heureuse. Autant Ruth pense au bonheur de Naomi, autant Naomi passe son temps, dit, que faire pour faire plaisir à cette jeune fille? Il dit, je voudrais que ta condition change. J'ai pris que l'un et l'autre vous rivalisiez d'ardeur pour vous faire du bien. La Bible déclare, et c'est l'apôtre Paul qui en parle, il dit, l'amour véritable ne cherche point son intérêt. Je prie Dieu que vos complots puissent être des complots de bonheur. Que dois-je faire pour qu'il soit content? Que dois-je faire pour qu'il soit heureux? Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse de vous un couple soudé et uni. Et avant de lâcher le microphone, j'aimerais m'associer à ce que mon frère du Togo a dit. Vous êtes deux couples de médecins. Et vous êtes mariés un peu tardivement. J'ai prié, si vous n'êtes pas d'accord avec ma prière, vous verrez, Dieu va l'exaucer. J'ai prié qu'aucune méthode de contraception ne marche. J'ai prié que très vite vous ayez des enfants, mais j'ai aussi prié qu'entre le premier et le deuxième, que ça ne traîne pas trop, peut-être à partir du troisième.